make tonight's shot, Toyota's going to give another free vehicle to Special Olympics Oregon. So we're shooting for two tonight. Now, before we shoot, we got to see what car you're shooting for. So go ahead and step on up to our wheel of wheels. Give it a big spin. Now, whatever vehicle it lands on, hey, baby, that's the one you're shooting for. All right, it's slowing down. Is it the Avalon? It's the Avalon. All right, Ty, come on over here. Here's your half-court line. Here's your basketball. You have one shot on that hoop over there. All right, Rip City, one shot for a brand new Toyota Avalon. Let's make some noise for Ty. Le shoot pour une voiture pour cet homme. En fait, je pense qu'il est content de ne pas l'avoir gagné parce qu'à la roulette, il a eu la plus pourrie. Ouais, bon, il y avait une... Bon, vous avez la marque en bas, hein, donc une Toyota Avalon, très précisément. Je suis pas sûr que ce soit commercialisé en France, mais en tout cas, voilà, le shoot était beau. Et donc, voilà, imaginez, on avait oublié ça, le facteur voiture aussi, hein, parce qu'il y avait le frigo, voilà, et vous pouvez repartir aussi avec la voiture. On part pas avec la cheerleader, Eric. J'imagine une roulette. Ouais. Derrière la voiture. Oui. Et donc, je voulais juste vous dire que le score, on se disait, là on parlait pendant la pub, on se disait, mais qui aurait pu imaginer que les Pelicans soient pratiquement à 2-0. Sur le point d'être à 2-0, on le disait, une équipe qui est sous assistance respiratoire depuis 2 mois, depuis la blessure et la fin de saison de DeMarcus Cousins. On se demandait quand est-ce qu'ils allaient craquer. Ils sont, bon, le match n'est pas terminé, mais ils sont presque sur le point de mener 2-0. Ah ouais. Face à des Blazers qui font une super belle saison, cachée, avec un Damien Lillard sans doute à son meilleur niveau depuis longtemps. Et ils sont...